Bonjour et bienvenue au Doin de Céline. Qui danse ? Aujourd'hui, petite chorégraphie qui nous emmène vers l'hiver tranquillement. On va s'occuper de l'énergie rénale. Comme elle est localisée au niveau de nos reins, on va travailler le dos un petit peu dans tous les sens pour garder une bonne mobilité, mais aussi pour pouvoir s'amuser. Parce que c'est ça qu'on veut faire quand même en dansant. Prendre du plaisir en tout cas. C'est parti, en musique. On va commencer par le début. Donc, on commence en compte. Le début, tac, tac. On va juste placer nos mains. On a quatre petits temps de préparation pour placer nos mains ici, comme si nous étions sur une table. Là. Et on va reculer avec la jambe droite. Je recule droite en diagonale pour le bassin. Que les jambes ici. La jambe droite va reculer à peu près la largeur des épaules ou du bassin. Mais je vais déhancher, je vais pousser un peu ma hanche. Pareil quand je vais faire à gauche, hop, je déhanche aussi. Donc ici, en fait, on va étirer au niveau du fessier, mais aussi, vous allez voir, au niveau de la jonction sacro-lombaire. Alors, on étire 1, on étire 2, on étire 3, on revient, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Voilà, donc les jambes faciles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et les bras sont donc posés sous le menton. Donc on peut vraiment les placer comme on veut au démarrage, petite impro de démarrage. Placer et ça nous fait. Je m'efface. Et ça nous fait. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Je continue. 1, je reste sur le côté. 2, 3, 4. Alors ce mouvement, là, il est vraiment latéral. Il faut imaginer que les pieds, le pied droit pour commencer, montent sur une marche, mais cette marche, au moment où on pose le pied dessus, descend. Donc on accompagne la descente. Et on déhanche. 1, 2, 3, 4. Donc je fais demi-point de talon, demi-point de talon, demi-point de talon, demi-point de talon. Toujours pour ici mobiliser cette zone. Et là, les bras s'ouvrent. 1, 2, 3, 4. Pour faire ce mouvement, il faut vous auto-grandir. Je m'auto-grandis. Ici, je ne me tasse pas en même temps. Je grandis. Je suis en opposition avec ma tête. Hop. Et youtoutoutoutou. Un peu comme une vague. On y va ensemble ? En compte. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Côté 1, 2, 3, 4. Je finis le 8. 4. J'ouvre, on vient de terminer avec la jambe gauche. Eh bien, je vais ouvrir la jambe gauche et placer mes bras à l'opposé. Donc, les bras font ça et la jambe dégage à 5 et va suivre le même tour de bassin. Et là, on fait un petit bounce en même temps qu'on mobilise le bassin en tournant. Et ça nous fait donc 5 et 6 et 7 et 8. Je reviens au milieu.
Alors, vous voyez bien ici que le bassin, quand on est là, côté, bah derrière, quand mes bras sont devant, ici, les bras à chaque fois sont en opposé du bassin. En musique ? Maintenant, on va s'occuper des bras. Alors, bras droit. En fait, on va faire comme si on allait, on va changer les mains. Les bras vont faire ça. Donc, il y en a, la main gauche vient à la taille et la main droite va venir s'enrouler devant. Articulation par articulation. On mobilise les articulations étape par étape dans un mouvement de rotation, de torsion plutôt que de rotation. Donc ça nous fait 1, 2, 3 et 4. Donc ça nous fait la main qui fait travailler le poignet, le coude s'enroule, l'épaule et la tête qui va regarder derrière et on revient pour mettre la main à la taille. Et on fait la même chose de l'autre côté. La main, le coude, épaule, tête, épaule et on revient ici. Donc 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La suite. On est ici à 8. On va faire la même chose avec les mains, mais on va avancer. On reprend main droite et on avance pied gauche. Alors ici, j'avance. 1, 2, 3, 4, 5 et après je recule. 6, 7, 8. Jusque là encore. Donc on vient de finir notre rotation et ça nous fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend depuis le début en compte jusque là. 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et côté 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'insiste ici. Étirer, je me mets de profil quand on le fait celui-ci. On va avancer et on va étirer le coude à l'opposé. Et là, j'avance aussi, je tourne coude à l'opposé. C'est le même mouvement, mais sans la tête. Ici, 5, j'avance, je recule et j'ouvre. On y va en musique depuis le début. Mes genoux sont au-dessus de mes orteils. Donc, vous avez vu que l'ouverture des pieds est un peu plus importante que celle des épaules. Et là, je vais plier et à l'opposé avec mon bras, je viens toucher mon pied. Hop, la pointe. Et je vais remonter. Donc là, je suis à 2. 3, je remonte par ici, par les côtes. 2, par l'épaule 3, le coude 4. Et ici, le poignet. Et j'ouvre. Alors, en fait, ici, on va étirer le dos sur le côté, mais aussi sur l'ouverture, toujours une zone qui est celle du méridien tendinomusculaire du poumon qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente concernant l'automne. Donc ici, quand on remonte, là,
On ouvre et on accompagne, on regarde. Mais en même temps que l'on ouvre ici, il y a l'autre bras qui va se lever. Donc je reprends les comptes. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis avec mon poignet. 7, j'ouvre par le pouce. 7 et je plie 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 8, 1, 2, 3, 4. Mon épaule se lève. Laisse la place au coude sur le point le plus culminant. Qui va laisser la place au poignet sur le point le plus culminant? Et ensuite, on va ouvrir le pouce vers l'arrière, lever l'autre bras, recommencer. 2, 3, d'abord les côtes, on sent l'étirement, soyez lourd, laissez passer la tête un peu sur le côté. Montez l'épaule, baissez le coude, montez le poignet, ouvrez la main, pouce vers l'arrière, 8. Ok, je continue. Ici, 1, alors on est ici à 8. Et là, on va faire les deux mains et les deux coudes en même temps et les deux épaules. Et cette fois-ci, on va rentrer la tête. Pour pouvoir ressortir, plier les genoux, passer le bassin vers l'avant et ouvrir le sternum vers le ciel, croiser les bras et ensuite les placer sur le ventre. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, pousse le bassin à 6. Le ventre, sternum, et je vais monter les bras. Et j'arrive ici à 8. Donc on y va. Alors ici, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, je reviens, 5. 6, 7, 8 et 1. On fait la suite après, en musique. Donc je change un bras au-dessus, puis après je change, ça sera l'autre bras qui passera au-dessus. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher à frotter votre ventre, à le prendre en main. Donc on arrive ici à 8 et 1 et 2, je plie en même temps, je change, je vais dans le dos. 3 et 4, je viens mobiliser l'énergie dans le dos aussi. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, je reviens sur le ventre. Alors vraiment, allez chercher à vous faire un câlin. Donc vous pouvez donner un petit style supplémentaire avec les épaules si vous en avez envie, par exemple. Au lieu de faire très rigide en disant ok, là je touche mon dos et je touche mon ventre, on peut y aller avec un tout petit peu de groove. C'est plus chaleureux. On est ici à 6. 7 par les coudes, j'ouvre. 7, 8. 1, alors là les épaules, je me mets de profil, ici, 1, 2, 3, 4, ici je fais un petit tour vers l'avant, c'est-à-dire qu'il me faut imaginer comme une vague qui part du dos et
qui vient sur les épaules et qui fait se mouvoir les bras. Et de là, je vais pousser le ciel et regarder entre mes mains, fermer mes doigts et baisser les bras avec les poings jusqu'à 8. Je reprends en compte ici. Donc, on vient de terminer 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Je propose déjà mes mains prêtes à repousser ou à soutenir le ciel. 4, 5. Alors, je vais tendre mes bras et je vais tendre mes genoux en même temps. 5, 6, 7, 8. 1, j'ouvre mes mains. Et en même temps, je vais replier mes genoux. 1, et je tourne. 2. Alors, regardez bien mes genoux. 1, ils restent au-dessus de leurs orteils. Je ne vais pas embarquer mes genoux au-dessus. Pour ça, il faut appuyer un petit peu plus dans le sol, surtout avec la jambe opposée au sens de là où on va. Ici. Et je vais revenir. Je reste plié. Et je fais l'autre côté. Et je reviens. Ah non, là, je reviens. Pardon. Et je reste de l'autre côté. On y va en compte ? C'est parti. Ici. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. Merci le chien. 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on est à la fin. 8 ici. Maintenant, je vais juste faire pivoter les pieds. 8, 1. Donc, je pivote ma jambe droite sur le talon, ma jambe gauche sur la demi-pointe. Et je vais à droite. Je rassemble mes pieds. Je pivote sur la jambe droite pour me retrouver de dos. Et je snap. Je claque des doigts. Et c'est terminé. Alors, simple hein, pour les comptes ici, on vient de terminer là, on fait 1, 2, 3. Voilà, et c'est terminé. En musique ? Et voilà, on a fini cette petite chorégraphie. Vous pouvez la refaire quand vous voulez, par petits bouts, hein, morcelés ou alors d'un coup d'un seul. Le principal, c'est que vous puissiez bien étirer les parties. Donc, n'oubliez pas d'allonger bien en diagonale derrière pour étirer le fessier. N'oubliez pas de relâcher la tête pour étirer cette zone et en même temps les côtes. Et puis, laisser la place. L'épaule laisse la place au coude, qui laisse la place au poignet. Ouvrez ici, étirez. Tous ces petits mouvements-là vont vous permettre d'étirer, de mobiliser. Pareil pour le bassin. Garder un petit bounce, ça permet de faire tout circuler dans le corps. Toutes ces petites choses-là assemblées permettent que l'énergie, parce qu'on parle de ça, circule. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que Moka vous a plu aussi. Voilà, il m'a accompagnée, il ne voulait pas rentrer à la maison. Donc, on vous remercie tous les deux. Et puis, on vous dit à bientôt. Assis. Check. Ouais, encore check. Oui, Moutiti, c'est bien.